Allez, bonjour à toutes et à tous, ici c'est Landron pour le 32e, je crois, 31e, 32e, je sais plus, épisode de mon Let's Play sur le jeu Mount & Blade Warband, saison 2. Alors j'ai fait n'importe quoi dans l'épisode précédent, mais quand je dis n'importe quoi, c'est assez violent. Je me suis fait défoncer une fois, j'ai failli me faire défoncer une deuxième fois à la fin de l'épisode. Et du coup, voilà, je suis bloqué, là j'ai un gros problème. Qu'est-ce que tu veux? Tu veux me. Tu veux me suivre? Tu me. Attendez. Piller le village. Je vais essayer de le piller. Si j'y arrive. Oui! Enfin. Parce que la dernière fois, on avait failli rater. C'était assez dangereux ce que j'ai fait d'ailleurs, du coup. Prendre les têtes de bétail, ça serait idiot. Qu'est-ce que tu fais contre Fals d'Abel chez Amacha? Non. Que faites-vous? D'accord. Donc il a juste des affaires pressantes à régler. Peut-être pas aller à Charise. Donc on va essayer de repasser par là. On va essayer de se casser. Éviter de faire trop de conneries. Rapport hebdomadaire 360, 346. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. On va essayer de refaire un peu des troupes. J'en ai perdu quelques-unes dans la débandade qui était le dernier épisode. On va essayer d'aller vendre un peu 2-3 trucs. Qu'un prisonnier, quoi. Alors, là-bas, il y a Sarimich. Ouh là là. C'est vrai que j'ai des soldats qui sont prêts à être promus grâce à l'entraînement quotidien. Il y a le château d'Almera qui est assiégé. Ah, 558 deniers, c'est pas mal. Donc là, je pense que ils vont essayer de m'attaquer. Ah merde, ils sont beaucoup là. Je ne vous en veux pas de m'avoir vaincu la dernière fois. Il veut prendre sa revanche. Bon, 66 contre 31, à la limite. Moi, je dis ok, pourquoi pas. Hein. Il y a juste un paquet de gens pas bons en fait chez moi. Parce que là, c'est plus du tout les mecs que j'avais entraînés à mort. Où sont les autres Gugus? Je les vois pas. Mais ils sont où? Qui sont. Ah, attendez. La carte. Ah, ils sont là-bas. Ok, il n'y a pas tant d'unités à cheval que ça. Ça sera donc pas si horrible que ce que je pensais. Voilà, déjà ça, c'est bien. Infliger des dégâts aux chevaux, c'est plutôt une bonne idée. Même si. Ouf. 50 points de dégâts et ça l'a pas tué, quoi. Voilà. Ça, vous devriez arriver à gérer ça. Moi, je retiens les unités à pied. Aïe. Voilà.
Oh, le... Enflure. Donc les cavaliers en face, ils ont été éliminés. Mon cheval qui prend pas mal. Ah, arrêtez de parer, bordel. Raté. J'ai infligé 100 points de dégâts. Ok. Oh, merde. Bande de lanciers, quoi. Quoi? Ok, je me casse. Allez. Mon cheval, il est exsangue. Chargé. N'hésitez pas à attaquer. J'ai quelques pertes. Ah. Il reste combien d'unités en face? Il en reste 3. J'ai 3 morts. Qu'est-ce que tu fais, toi? Tu te caches derrière le mur? Et pof dans la tête. Quant à toi, il en reste un. Où qu'il est? Il est par là-bas, il semble. Ah oui, mais il est un peu loin, là. Je pense qu'il va s'enfuir. Lol, je l'aurais touché à cette distance, il y aurait eu un problème. Je suis pas du tout un bon archer de cavalerie. En plus, il s'est barré. Victoire. Bon, il a réussi à s'échapper. C'est pas très grave. Bon. Au moins, ça fait pas mal d'unités. Un peu plus puissante. Ça augmente un peu la renommée. Bon, par contre, les 42 derrière, je les fais pas. On va aller à Veluca. D'ailleurs, des unités sont prêtes à être promues encore. Ça, c'est cool. Ah, je crois qu'il en manquait un. Petit groupe d'ennemis repéré près de Saint-Rémy. Alors, perso. Charisme, sens du commandement, pouf. Parce que je rappelle qu'il faut au moins 100 hommes. Et 100 hommes, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Donc on augmente le charisme. Pour augmenter le sens du commandement. Oula! Ok. 62 contre 74. Merde. Ça a beau être des bandits des montagnes... Ça fait quand même beaucoup. Je suis pas tout à fait remis. Allez, on va les devancer un peu. Ils sont combien en face? Ils sont 31. Je sens beaucoup. Voilà, c'est exactement ce que je veux pas, c'est me prendre des gros coups de tirailleurs. Ah.
J'aime pas les archers. On va les faire charger parce que sinon ça va pas être possible. Je suis déjà mid life. Je déteste vous les archers là, voilà. De nouveaux ennemis sont arrivés. Vous êtes pas sympa les mecs. Voilà, on renvoie de nouveau, c'est évidemment ce qu'il fallait pas, parce que là ça va être le gros bordel. Ah, pff, mais d'où ça sort ça? Voilà. Ok, c'est plutôt pas mal. Pour l'instant, ça avance bien. Quoi? Un chauve au milieu, c'est pas du tout ce qu'il fallait. Comment il a fait pour m'arrêter, quoi? Putain, la vache, j'ai vraiment plus beaucoup de vie. Il y a encore des ennemis arrivés. On en a défait 52, il en reste plus qu'une vingtaine. Bon, ils doivent être tous là, en fait, hein. Ouais, c'est ça, il en reste. Ah. Il en reste pas beaucoup. Voilà, ça y est. Vache. Combien de morts? 4. Bon, 11 blessés, mais des blessés, ça va. 4 tués, bon, ça va, en fait. On a vachement géré. C'était bien. Bon, par contre, là, j'ai plus de place du tout. C'était géré. Toc de la milice soudienne. Lancier vétéran, c'est cool. Arbalétrier entraîné, c'est cool. On commence à récupérer une petite équipe de gros bourrins, là. C'est bien. C'est très très bien. Donc, direction Veluca, là, avant que je me refasse attaquer comme pas possible. Taverne, d'abord. Oula. Petit ralentissement. Il y a un arbalétrier mercenaire, un rançonneur. C'est bien, maintenant je tombe sur beaucoup de rançonneurs. J'ai des prisonniers à vous vendre, voilà. Avant, je les cherchais pendant des jours et des jours. Là, je tombe dessus comme ça, peinard. T'es qui, toi? Marchand de livres, rien à foutre. La lecture, je connais pas. Alors, à vendre des trucs. Des fourrures, des pattes de lin. La bière, non, je la garde, parce que la bière, ça se garde. Buff et le port de la veille, hop, on vire. Non, merde, du coup, j'ai plus assez de... Voilà, marchand de chevaux. On continue de vendre des trucs. Il n'a pas tant de trucs à m'acheter. Enfin, il n'a pas énormément de sous. Bah voilà, là c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, direction Pagundu, on va voir où ça en est. Ah merde. Ils sont combien là? Sultan, bon, d'accord, c'est le sultan.
va attendre au château d'Erguelon. Parce que c'est un important groupe d'ennemis, oui. On lance tir. Oh la vache. Ça, pour le coup, c'était un important groupe d'ennemis. Machin. Gravette qui m'envoie qu'il y a un grand banquet à Jelgala. Bon, on y va. Alors, doucement. Là, il me fuit. Bon, c'est pas très grave. Ah, on a fait la paix. Vous obtenez le droit de régner? Attends. Rapport. Il y a pas, on peut pas voir la liste de messages récents. Boyard machin. Vous obtenez le droit de régner. Merde. D'où ça sort ça? Concept de jeu. Est-ce qu'il y a écrit quelque chose? Non. Ouais, je sais pas. D'où ça sort, le droit de régner, là, comme ça. Un tournoi. Ouais, ça peut être cool, le tournoi. Allez. En plus, ça fait toujours un peu d'entraînement. Ok, j'ai des flèches, j'ai rien d'autre. J'ai un petit couteau à la con. Ok. Oh, hé. Hey. Non, mais oh. Attendez. Voilà. Bon, j'ai un peu bourriné pour la fin, mais c'est passé. En même temps, c'est quoi cette équipée qu'ils m'ont fournie, quoi? Allez, le sketch continue. Ok, d'accord, on va prendre ça parce que sinon ça va pas être possible. Allez, pousse-toi! Quoi? Concentration. Quoi? Mais... Bande de sagouins. Bah voilà, il m'a roulé dessus, quoi. Ah, je suis passé quand même. Je suis passé. En même temps, j'avais le droit. Et oh, c'est quoi cette triche? Comment ça se fait que je suis à pied, ils sont équipés de chevaux? Mais c'est ridicule, quoi. Comment on peut autoriser ça? C'est pas parce que j'ai gagné le dernier tournoi que je suis obligé de me taper un putain de handicap, quoi. Regarde là. Attends, j'ai piqué un cheval. Voilà, c'est pas interdit ça. Voilà, j'ai infligé des dégâts au cheval. Ça, je sais faire, je sais me battre à cheval. Voilà. T'as vu, les rôles étaient échangés, connard. Ah, une épée à deux mains. Quel bonheur. Ouais, je sais, ça fait 1 minute. Coucou. Wow.
C'est le roi Gravette, quoi, je crois que j'assume. Ou alors il est avec moi. Ah oui, c'est lui. Et il a essayé de m'attaquer, ce salopard. Boum! D'accord. Rogravette de mes fesses. T'as beau être mon roi, je vais pas te lâcher. Voilà. Sérieusement? Voilà. Mais c'est quoi ça? Boum, 2277 deniers, plus de 100. Relation améliorée, renommée améliorée. En mode badass. En mode total badass. Je vais juste voir ce qu'il y a ici. Il y a contre la Rogaine, le roi Gravette. Ok. Voilà, comme ça au moins ça augmente les trucs. On est bien. On est très très bien. Je vais juste regarder mon perso. Voilà le groupe. Oui, bah tout se passe bien. Voilà. On commence à reprendre du poil de la bête. Ça devrait aller, je pense, pour les prochains épisodes. En tout cas, n'hésitez pas à partager la vidéo si vous avez aimé. À me suivre sur Twitter, à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à dans 3 jours pour la suite de cette aventure. Allez, salut à tous!